bien, salut à tous, jeuxvideo.com. On traversait la rue pour retourner au Convention Center et une jeune demoiselle nous a donné un petit prospectus pour Doritos. Alors forcément, on a été attiré en tant que journaliste jeux vidéo, on s'est senti intrigué et puis on a vu cette immense borne d'arcade géante et du coup, en fait, on a découvert qu'il y avait un événement, donc on va vous faire la découverte de ce hashtag Mix Arcade Gaming Trip, je ne sais quoi. Allez, c'est parti, on y rentre. Voilà. Contrôle de sécurité assez chargé. On va tout de suite rentrer dans le cœur de l'événement. Je pense que ça vaut au moins le Convention Center. Hey, high five. Thank you. Voilà, l'ambiance est au maximum. Vous voyez que les gens se massent, les gens attendent. Les gens ont passé plusieurs heures. Non, mais à mon avis, ça commence un peu plus tard quand même. Il paraît qu'il y a un concert de Wiz Khalifa qui était déjà présent à l'EA Play, donc l'événement Electronic Arts. Allez, on rentre dans l'événement, c'est parti. Vous pouvez voir qu'il y a pas mal de bornes d'arcade avec plein de bons vieux jeux rétro. Le but de cet événement, en fait, c'est pour fêter les 50 ans de Doritos. Et donc, il y a 50 records du monde à briser durant la totalité de cet événement, donc durant l'E3 en gros. À la clé, il y a des lots à gagner, il y a de l'argent et il y a des places de concert. Et bien sûr, un max de Doritos. On va essayer de battre un ou deux records comme ça, easy, en 10 minutes. Avant ça, on va découvrir le bar. Il y a un jeu sympa, ouais. Ça a l'air bien, ça. Moi, j'aime bien taper sur des trucs. On essaiera peut-être de battre le record du monde qui est de... sans doute de 12 millions de points. On peut voir au bar, il y a des petits goodies à gagner. Et surtout, il y a la clé, le corlisse, les bons Doritos, j'en prends un pour la route et je poserai devant bien sûr fièrement. Et bien voilà, je trouve quand même que c'est une belle manière de célébrer ces 50 années d'activité en plein cœur du salon du jeu vidéo, en plein cœur du jeu vidéo mondial. C'est un énorme stand, il est plutôt joli. Et personnellement, bah écoute, j'ai bien envie de venir ici ce soir pour voir le concert. Mais bon, on a beaucoup de boulot, on retourne au Convention Center. On espère que ça vous a plu, on vous dit à très bientôt sur jeuxvideo.com pour de nouveaux insights. Ciao tout le monde.